Et yo la team, c'est Kairos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo au menu, on va créer la mairie dans notre monde. Donc on va commencer sans plus attendre. Donc pour ce faire, on va prendre de la brique, du verre ainsi que de la roche. Et donc on va commencer par poser ces blocs du coup. Donc à savoir que cette mairie est inspirée de celle de Waukegan dans l'Illinois aux États-Unis. Donc pour ceux qui veulent jeter un petit coup d'œil, hein, ça sera pas exactement la même, mais on va essayer de s'y rapprocher au maximum. Hop, je remets la météo et on est parti. Donc là on va prendre les blocs de briques et on va tout simplement les poser du coup ici. Donc là on va partir sur combien de blocs? Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Voilà, donc là on va déjà en poser 25. Alors on va laisser déjà une partie du mur, hop, sans fenêtre, comme ceci. Donc là ensuite on va poser les fenêtres, voilà, ici. Ensuite on va remettre 3 blocs, tac, on refait une fenêtre de 2 blocs, donc toujours sur 3 blocs de haut, hein, j'ai pas précisé mais je pense que vous l'avez vu. Donc là c'est pas mal. Ensuite on refait pareil, 3 blocs de large, 3 blocs de haut, les verres sur 2 blocs, donc voilà un peu ce que ça donne pour le moment. On va voir combien on peut en faire du coup avec 25 blocs de longueur. Et on ajustera ça une fois qu'on sera au bout. Tac, encore un. Hop. Pas qu'elle soit trop grande non plus, mais faut qu'elle soit assez imposante parce que je pense que la ville va être assez imposante. Donc si la mairie est un peu minimaliste, j'ai peur que ça fasse pas très chouette du coup. Hop. Et voilà, donc là on est pas mal, pas mal du tout. Ouais si, c'est pas trop mal en vrai. Donc là on va laisser ça comme ça, tac tac tac, et puis voilà, ouais on est pas mal. Donc là hop, on repart pour faire le plancher du premier étage. Hop. J'ai toujours pas réglé mon problème d'FPS, c'est vraiment bizarre, avant j'avais aucun problème. Peut-être que le shader pompe un peu trop, pourtant ma config n'est pas dégueu. Faudra que je m'y intéresse histoire d'avoir quand même une meilleure qualité. Donc, parce que par moment j'ai l'impression de laguer, je sais pas si dans la vidéo ça le fait. Enfin bref. Donc là, tac, on a fini le rez-de-chaussée. Donc là, à savoir que ce sera... hop, donc moi j'aime bien faire les planchers en bois de bouleau. Donc voilà, à savoir que ça sera en bois de bouleau ici. Hop, tout l'étage du bas. Voilà, donc là ça sera le rez-de-chaussée. Ensuite le deuxième étage va partir d'ici, enfin le premier étage pardon, va partir d'ici, tac. Et du coup donc on va mettre un bloc pour pouvoir avoir la hauteur des fenêtres, tac. Sinon les fenêtres j'ai peur que ça fasse pas très beau, à moins que j'avoue que j'ai un peu le cul entre deux chaises, je sais pas trop comment faire. Sinon si ce que j'ai peur que ça choque s'il y a que un bloc, vous voyez ce que je veux dire, si on fait des fenêtres comme ça j'ai peur que ça choque un peu, tac. Ouais, il n'y a pas assez d'espace et je pense que pour le charme du bâtiment on a besoin d'avoir assez de briques, parce que si on n'en a pas assez j'ai peur que ça fasse pas joli en fait. Donc voilà, là on repart sur le même modèle qu'en dessous en fait, tac, en posant toutes ces fenêtres du coup, voilà. Et ensuite on remplit entre chaque de briques tout simplement, donc hop, voilà, pour avoir en fait le même modèle qu'en dessous. Voilà, donc une fois qu'on a rempli entre les espaces vides des fenêtres, on termine tout simplement avec une rangée de 2 blocs de hauteur par-dessus, toujours en briques. Et donc là, on va avoir fini le premier bâtiment, entre guillemets. Vous verrez à la fin pourquoi je dis bâtiment, hein, parce que de toute façon, c'est un seul bâtiment. Hein. Mais il y a plusieurs petits bâtiments de différents...
de différents matériaux en fait. Donc c'est pour ça que je dis ça tout simplement. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, c'est parfait. On va tout simplement repartir derrière cette fois-ci. Tac. Donc là, je sais pas sur combien on va aller. Donc on va déjà faire ça comme ça. Et c'est hyper pénible cette météo qui arrête pas de se mettre... qui arrête pas de pleuvoir. On est bien sur une île. Hein. Le temps a vite fait de tourner. Donc voilà. Donc pour le moment, je sais pas ce que je disais. Oui, ce que je disais, c'est que je ne savais pas sur combien on allait aller sur la profondeur du bâtiment, en fait. Hein, parce que ça, c'est la devanture. Donc en profondeur, je sais pas encore ce que ça va donner. Mais du coup, là, on peut déjà, dorénavant, hop, compléter, voilà, ici, commencer cette rangée ici. Puisque là, tout simplement, on va en remettre une troisième, en comptant l'angle. Décidément. Voilà. Parce que là, on va repartir en vert, tout simplement. Donc là, ce que je vous conseille pour le vert, c'est qu'on va prendre des enclumes. Hop, donc de préférence pas abîmées. Hein. Et puis de la lightstone. Donc elle est où? Elle est là. Tac, voilà. Donc, toujours la même technique qu'avant. Bon, je pense que vous connaissez, il y a plusieurs youtubeurs qui le font maintenant. Bon, après, je pense pas avoir été le premier non plus à le faire. Tac. Voilà, donc, comme ça fera plus beau, vous verrez, surtout si vous avez un shader de la nuit. Merde, je me suis trompé. Hop. On va déjà aller sur 3, voilà. Comme ça, quand vous aurez un shader de nuit, vous allez voir, ça va faire super joli. Les lumières vont être un petit peu épurées. Et ça va faire super joli dans les verres. Voilà, tout simplement. Donc là, on va partir sur 5 blocs. Donc hop, on recommence. On remet la lightstone au fond, les enclumes dans le bon sens. Hein, vous les posez pas comme ça, sinon ça va être pas très chouette. Voilà, donc là, oh, à chaque fois, je fais la même connerie. Voilà, donc là, on a notre première... ouais. On a notre première... comment dire ? Notre première baie vitrée, tout simplement. Tac, donc là, je vais faire une entrée de 3. Hop, tac. Donc là, ça sera l'entrée. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, pour qu'on soit symétrique. Voilà. Je pose mes enclumes. Hop. Oh. Voilà. Et donc là, tout simplement, on va laisser 3 blocs d'écart. Tac. Et on repose les 5 vitres, donc verts, pardon, parce que c'est les cubes, c'est pas les vitres plates. Hein. Et vous voyez, le soleil est en train de se coucher sur Kerosella, c'est comme ça que j'ai appelé la ville. Et vous voyez que là, on commence à avoir un joli petit effet, sachant que c'est pas du tout fini, hein, puisque là, on devrait avoir les blocs comme ceci. Hop, et après, je sais pas, parce que vous aurez pas le même truc, hein, c'est normal. Je sais pas si moi je finis comme ça, ou si je creuse tout simplement ici, pour avoir un petit effet d'escalier. Mais dans ce cas-là, je sais pas si j'ai peut-être pas meilleur temps de le faire avant. Vous voyez ici, là, ça sera peut-être plus joli, en fait, que de le faire... directement, enfin sur un seul bloc, vous voyez ce que je veux dire, avoir un escalier qui laisse assez de place, parce que sinon j'ai peur que ça soit un peu choquant. Hop, je vais faire ça vite fait. Tac, cette smooth, mais je crois que je l'avais déjà fait tout à l'heure. Tac, voilà, sauf que c'est pas assez haut. Tac, on va revenir là. Et donc vous voyez ce que je vous disais, dans la nuit, ça fait un super bel effet. Hop, attendez, je vais vous montrer. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte de ce que valent les lampadaires la nuit aussi. Bon, mon shader est peut-être à peine foncé pour la nuit, donc on a du mal à s'en rendre compte. Mais vous voyez, on voit quand même largement. Il y a quand même de quoi se guider dans la nuit, quoi. Hein, s'il ne fait pas nuit complet. Donc voilà, regardez ce que ça donne. C'est magnifique, surtout avec un beau petit shader.
Donc c'est vrai que le shader, comme je vous le disais, ça rend bien pour les choses comme ça, mais pour l'éclairage, c'est peut-être un petit peu différent. Voilà. Donc, maintenant que vous avez vu ça, je vais remettre le jour, et voilà. Donc là, c'est parfait, on va continuer, on va arrêter de se retarder. On reprend le vert, donc là, tac, on remet un quatrième bloc de hauteur sur l'ensemble de ce qu'on avait déjà fait, voilà. Et ensuite, on va tout simplement prendre les demi-dalles de stone. Ah, mais c'est pas vrai, le temps, il change tout le temps. Il change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hop, donc là, je remets mes demi-dalles de stone comme ceci. Voilà. Donc là, on fait un petit décrochement, histoire que ça fasse joli. Et après, j'ai presque envie de faire un décrochement comme cela. Hop, voilà. Donc là, on laisse comme ça. C'est pas mal. Ça me plaît. Voilà. Donc là, c'est parfait. Ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, c'est déjà pas mal. On va remettre une couche de stone pour avoir un bloc complet. Ici, voilà. Et là, donc, on va faire les bâtiments administratifs, ce qui sera toute la partie bureau. Donc là, hop, on enchaîne avec les verres. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un décrochement dans le bâtiment, encore une fois. On va faire un décrochement. Là, on a fait combien de blocs ici? On va faire à peu près la même chose. Là, on avait 13 blocs. Tac, tac. On va déjà en mettre 10, on va voir ce que ça donne. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, si je fais un décrochement comme ça, ça rend comme ça. A savoir qu'en réalité, j'ai l'impression que c'est symétrique. Donc, il doit y avoir la même longueur. Donc là, si j'en remets 13, voilà. Donc là, on en a remis 3, ça fait 13. Je pense que ça sera pas plus mal. Hop. Donc, on va partir sur 13 blocs. Voilà. Hop. Donc là, on les complète en vert. Voilà. Qui est parfait. Et après, du coup, on va repartir dans l'autre sens. Donc là, c'est là qu'on va faire la profondeur du bâtiment et où on va savoir vraiment jusqu'où on va. Donc hop, on en met une bonne dizaine. Hein. De toute façon, c'est pas définitif. Hop, voilà. Donc ouais, c'est ce que je disais, c'est pas encore définitif. Et là, pour savoir combien on va mettre, on va tout simplement terminer, enfin, plutôt commencer le toit de ce bâtiment en briques. Hop. J'ai vraiment pas l'habitude de jouer sur Minecraft PC. Alors, désolé, je suis pas très rapide quand il s'agit de positionner les blocs de manière rapide, hein, puisque vous savez que sur console, c'est vraiment la chose la plus pratique, ça. Enfin bref, ceux qui sont sur console le savent. Voilà, donc je disais, on commence le toit. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est pas mal. On va pouvoir savoir sur combien de blocs on va se diriger. Donc là, moi, ce que je vais faire tout de suite, c'est... Alors, de la continuité, bien sûr, vous voyez, là, les fenêtres vont remonter comme cela, voilà. Et là, hop, on arrive ici. Donc là, on va remettre 3 blocs de haut, juste ici, parfait, sur toute la longueur. Voilà, donc là, on a mis nos 3 blocs de hauteur en vert. Et on va tout simplement terminer avec la stone, donc qui va venir faire le toit principal. Donc là, on en met 2 blocs comme ceci en débordement du vert. Hop, voilà. Et hop. Et du coup là, on va aller jusqu'au bout de la structure. Donc je vais juste me faire un petit repère pour savoir où c'est que je dois m'arrêter. Donc là, ça doit être par là. Hop, j'étais un petit peu trop haut. Voilà, donc là, vous avez vu, j'ai fait mon petit repère ici en coin, dans le coin, pardon, puisque le toit va être entièrement le même.
Donc hop, là je retourne tout simplement de l'autre côté. Voilà, on va y arriver. Voilà, c'est la bonne. du coup, hop, là on repart dans l'autre sens. Voilà, pour avoir notre petit débordement de deux blocs. Vraiment pénible cette météo. Très capricieuse. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on est pas mal du tout. Donc moi ce que je vais faire c'est hop, revenir ici, et là j'ai une grosse hésitation, c'est que je ne sais pas comment faire, tac tac tac, je sais pas, on va, je pense faire comme je pense, voilà, donc ouais je pense qu'on va faire, comme ça. Alors là tout simplement vous allez faire une forme d'escalier jusqu'à ce que vous touchiez terre. Tac, voilà, en laissant les blocs se toucher, hein. Hop, voilà, et là, on arrive gentiment dans l'herbe, et voilà, donc là, ça nous amène ici, donc là, c'est ça qui va déterminer la profondeur de notre bâtiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. On va partir sur 6 blocs, je pense qu'on est pas mal. Ensuite, je remonte là-haut. Tac. Là, on va relier les deux points. Enfin, les deux angles. Voilà. Tac. Donc là, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime beaucoup, voilà, et donc là, on va tout simplement remplir l'intérieur de stone. Voilà donc ce que ça donne. Donc là, on a déjà pas mal avancé. Ce qu'on peut faire cette fois-ci, c'est remplir donc sur tous ces blocs-là de verre. Donc attendez, je vais vous donner les repères avant que je le fasse hors vidéo. Hop, donc là ça va jusqu'ici, là on laisse dépasser de 1, donc là on va laisser, hop, on s'arrête un bloc avant la fin du mur en stone. Voilà, donc là on repart, hop, pour fermer le rectangle, on va y arriver, tac. Ensuite on va rejoindre les deux bords ici, donc attention de ne pas aller trop loin. Parfait, j'ai vu juste du coup. Tac, donc là, bien mettre les demi-dalles sur l'une sur l'autre pour avoir un bloc complet. Pareil pour ce côté-ci. Voilà, parfait. Et donc, tac, tac, tac. Donc ça, c'est pas mal. Après, j'étais pas obligé de le faire, en fait. Je suis un peu bête, mais c'est pas grave. Puisque le plancher ici va revenir à la même hauteur que les demi-dalles, en fait. Puisque là, vous aurez entièrement, hop, entièrement un, voilà, un sol composé de demi-dalles. Donc, tout ici, on peut remplir des, dorénavant en demi-dalles. Voilà, donc on a rempli notre sol de demi-dalles, pardon, j'ai mal à retrouver mes mots. Donc une fois qu'on a fait ça, du coup, on va pouvoir poser notre verre sur l'ensemble de la structure quasiment. Tac. Donc là, on va jusqu'au bout. Parfait. Et tout simplement, donc, on peut remplir nos blocs de verre. Donc sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 blocs, voilà, 9 blocs de hauteur, ce qui fait qu'on arrive du coup au futur toit de la mairie. Donc voilà, on a entièrement rempli nos verres sur la mairie. Donc on arrive au bout de ce premier épisode concernant la mairie de ce serveur. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et bien entendu, à vous abonner à mes différents réseaux sociaux pour avoir plus de contenu. Voilà, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, bye tout le monde, c'était Kerose.